Sarrasin, très intéressant. Donc, graines de sarrasin torréfiées. Voilà, tout à fait. C'est l'esprit d'un risotto. D'accord. Donc, il nous faut voilà, du bouillon de volaille. Voilà, en revanche, on ne va pas nacrer notre sarrasin. On ne va pas le mettre dans l'huile d'olive. Ou... Si, on va justement avec un petit peu d'huile d'olive. D'accord. Pas trop. Qu'est-ce qu'on met dans l'huile d'olive? J'ai mis un petit peu d'oignon, oui. Un petit peu de champignons de Paris. Ah, c'est pas mal ça aussi, voilà. une petite d'Uxelles, enfin en tout exactement. Cas. Exactement, voilà. Coupé en petits morceaux, on laisse suer. Ça sent déjà très bon. Oui, hein, ça commence. Notre caméra en prend le nez. On peut verser le sarrasin, donc ça va assez vite. Hein. Et là, on va le nacrer, comme vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, on va l'enrober de matière grasse. De matière grasse, tout voilà. À fait. C'est le principe d'un risotto. Donc voilà. En revanche, ça va très rapidement, parce que comme il est déjà grillé, il ne faut pas le regriller, si je comprends bien. Non, on n'a pas, surtout pas de coloration. Voilà, il faut juste le nacrer, l'enrober. Avec un petit peu de vin blanc. D'accord. Alors, le vin blanc, c'est important de l'ajouter en deux fois. Voilà, faut pas. Ah ouais, pourquoi deux fois? En fait, le pouvoir d'absorption du riz ou du sarrasin est très limité. Ce qui me fait penser que le sarrasin vient des croisades. Vous le saviez, d'où le mot sarrasin. Et c'était une graine qui était sans taxe. Et c'est pour ça que les crêpes, pour les gens les plus modestes, les plus pauvres, étaient en sarrasin. Elles étaient moins chères. Alors, notre sarrasin, ça y est, il est pratiquement... Là, petit à petit, comme pour le vin blanc, on ajoute le bouillon de volaille qui doit être chaud. Ça, c'est très important. Pas de choc thermique. Le sarrasin est chaud ici. Le bouillon de volaille également. Et on y va petit à petit. Oh là 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 là. Donc, voilà. Et on laisse absorber avant de remettre du bouillon. Voilà, exactement. En permanence. Sur le principe des mamas italiennes qui font le... Voilà, c'est plutôt les mamas briochines. Oui, c'est les pépés hein briochins. Tandis que notre sarrasin torréfié est en train de se gonfler et qu'on a hâte de le goûter. Alors, j'ai ajouté du beurre, parce qu'on est quand même en Bretagne. Ah, mais oui. Du beurre. Je me disais, il manquait il manquait quelque chose dans la recette. Pour la sauce de la recette, j'ai gardé un petit peu de bouillon de volaille. Ouais. J'ajoute un petit peu de crème liquide. Oui. Voilà. Et je vais ajouter du carigos. Ah, le carigos. Alors, expliquez-nous, parce que le carigos, depuis qu'on vient en Bretagne, il n'est pas une semaine en Bretagne sans qu'on ait une recette avec du carigos. C'est vraiment une des épices fétiches des Bretons, ça. Oui, c'est vrai. Ça vient de Lorient, et pas que des Bretons. Inventé par un pharmacien à l'origine. À Lorient. Alors, on a de la cannelle, on a du gingembre, on a du curcuma, on a du poivre. J'ai dû en oublier un. Il faut dire que l'Orient, c'est le retour des Indes. Hein. C'est le port du retour des Indes. Le retour des épices. Génial, chef. On va revenir dans une seconde pour voir comment on va cuire ce lieu jaune, ce magnifique lieu jaune de Camp Plateau. Voilà. Alors, il serait peut-être temps de déguster parce que ça sent extrêmement bon, hein, Philippe. Et oui. On est d'accord. C'est fameux. Hein, c'est fameux. Je crois que ça va l'être. Regardez cette consistance crémeuse de notre risotto de sarrasin. Là, voilà notre écume, en quelque sorte. C'est-à-dire, on a une base de crème liquide avec un petit peu de carigos ou du lait. Bouillon de volaille, crème liquide, c'est ça. Et un petit peu de carigos, tout à voilà. Fait. Oh, il faut goûter, Philippe Blaguen. Nicolas. Vous devriez ouvrir un restaurant. Oui, mais avec plaisir. Merci, Philippe. Vous arrivez encore à découvrir des restaurants dans vos pérégrinations, Philippe? Mais attendez, c'est quand même assez... passionnant d'être payé pour voyager, pour se cultiver et d'être payé pour déguster. Je vais vous demander de goûter pour nous dire je vais tenir le micro. À notre tour, on peut se faire plaisir et si on peut faire goûter les briochins qui attendent. J'avais une tente qui était ouverte.